été contacté par le département de l'Isère pour participer à cette manifestation. Moi, je trouve très intéressant de présenter donc sous l'angle paysage, tout ce qui peut se rattacher. Et donc nous, on a choisi paysage en mouvement et paysage urbain, donc la visite des monuments de Vienne, etc. Donc en marchant. Nous, on a voulu un peu donner de chair, davantage de chair à ces visites-là et donner une ambiance pour chaque lieu. Donc, on a choisi un parcours qui nous permettait à la fois de traverser des époques et à la fois de traverser des histoires. Et on a choisi de parler de choses que, dont les guides ne parlent pas habituellement. Quoi. La bande à Bonneau, ils n'en parlent pas. Le phénomène des maisons closes à Vienne, ils n'en parlent pas. Voilà. On a choisi ce côté-là pour pouvoir à la fois y insérer des morceaux de théâtre et à la fois pour que les gens découvrent un envers. C'est pour ça qu'on a appelé visite secrète, une sorte d'envers du décor. Je suis absolument certain que les gens ont besoin qu'on incarne l'histoire. Il y a des tas de gens qui ont l'impression, alors qu'ils étaient viennois, d'avoir appris des choses très concrètes. Je trouvais ça très chaleureux. Et tout au long, d'ailleurs, ils étaient tous très contents. Ils me posaient des questions. Non, encore une fois, je suis persuadé que cette forme de travail, cette forme de rencontre avec le public est une forme qui est évidente.